Eh bien bonjour à tous, c'est Abilize et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, une nouvelle partie sur Armored Kill. Et aujourd'hui c'est la troisième map que je vais vous présenter, donc Alborz Mountain. La map je pense que tous les joueurs attendaient, la fameuse map de BF3 dans la neige. Donc Alborz Mountain ou Montagne d'Alborz est une map enneigée, comme vous pouvez le voir, de très belles collines, des points extrêmement loin. Et voilà. Donc c'est pas la map que je ne veux pas dire que c'est la map que je préfère, hein, vraiment. Après, c'est une map, certes, qui est extrêmement belle. Très, très belle. Et qui est très bien. Mais après, je trouve qu'elle est, y a vraiment beaucoup de sentiers, etc. Et en fait, je dirais pas qu'elle est pas bien, je dirais qu'elle est difficile à jouer. C'est vraiment ça qui est très, très frustrant. Donc, allez, c'est parti. On va partir sur une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. Comme les deux vidéos. Les deux vidéos précédentes. Et puis c'est parti, hein. Allez, là je roule sur la glace avec ma Jeep. Moi je suis un gueudin, j'ai pas peur que ça, elle se casse, hein. Moi je monte là comme un barjot. Toi pousse-toi, je m'y mets. Oh là là, il pleut des Jeeps. Y a pas de quad, moi j'aime bien les quads. Et par contre dans cette map, c'est très intéressant de mettre des mini anti-chars, vraiment. C'est mettez des mini chars sur tous les sentiers, mais c'est bon, vous faites obligé un carnage. Je dis ça, je vous incite pas à en mettre, mais parce que je déteste ça, mais je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que c'est aussi là, il faut très bien spotter. Hein, parce qu'après, vous voyez que là-haut, là, on va monter plus dans les machins enneigés. Vous voyez un petit peu ce côté très réaliste. Plus on monte en altitude, plus il y a de la neige. Et ça, je trouve vraiment ça incroyable. Comme moi, vous voyez, je suis de Lyon, comme vous voyez le Mont Blanc. Et bien en bas, il y a le glacier, comme dans BF, là, en bas, il y a le glacier. Et en haut, et ben, c'est enneigé, quoi. Et puis. C'est vraiment un petit peu ça qui est génial. Donc là je suis en quad, je monte. Oula, oula. Donc cette map je l'ai aussi déjà faite, mais je trouve que cette map c'est vraiment la seule map que j'arrive vraiment pas beaucoup à jouer. Elle est extrêmement difficile à jouer. Personnellement j'y arrive pas trop. En fait je vous ai pas dit, je suis respawné en ingénieur avec la P90 parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu des autres armes. Donc c'est pas dit que j'y arrive, c'est pas dit que je la garde jusqu'au bout, mais voilà, enfin. Allez, on prend le point E, donc là vous voyez que c'est du 44 joueurs. Après on va foncer sur le point G avec un quad, c'est parti. Ou avec un... non, rien qui est apparu. Non, tu veux pas monter toi? Eh ben allez, on va sur le point G, c'est parti. Olé, oh là là, vous voyez là par exemple, pim! Alors là, excusez-moi, j'espère que vous avez fermé les yeux, parce que c'est vraiment pas chouette ce que je viens de faire. Mais en même temps, vous allez me dire, ça fait partie du jeu. Je lui ai foncé dedans, il est resté bloqué dans les rochers, je suis sorti, je lui ai mis mon RPG dans les dents. Il a eu mal, il a pris un rendez-vous chez le dentiste, et il va revenir et je vais le retuer. Vous allez voir. Oh là là, oh là là, oh là. Non, 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 me tue pas, me tue pas. Je suis caché de toute façon. Hey, je suis un. Oh putain, il est encore là le machin. Bon, mais en fait, il y a le point D juste à côté qui est en train de le prendre. Donc, en fait, je vais plutôt passer par le point D finalement. Puis ensuite, aller sur le point G. Alors. Alors, lui, j'ai essayé de le back. On va faire un truc. Pendant que le machin fait de diversion, le sprout. Voilà, là je sais plus où il est. Donc ça pue, ça c'est vraiment. Oh, une tente Quechua. Oh, trop bien, sérieux. Ça serait quoi, des 4 longues. Allez go. Mais on fonce sur le point C, en bas de la colline. Moi je suis un gueudin, moi. Oh là 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 là. Pff, les amortisseurs, heureusement que c'est pas moi qui paye. Après, ouais, franchement, c'est vraiment extraordinaire. Les traces dans la neige, etc. Ça, je trouve que c'est vachement bien fait. J'étais persuadé que je sautais là, mais. Pas discrète et j'arrive avec une Jeep en feu. Normal, quoi. Oh, je déteste ça quand il y a un mec sur le point. Je l'ai vu. Oh non, avec la PKP, il m'a fait v'là de la suppression. Et ouais, et malheureusement. Bon,
pas fait beaucoup de kills, pas vu grand monde, ça on peut le dire quand même. Donc allez, on va reprendre pourquoi pas la G36, allez c'est parti. Par contre, pardon, je vais changer vite mon camouflage parce que c'est très important quand même le camouflage. Ranger. Ouais, blanc, motif urbain, ouais, ça peut être pas mal, même si je suis pas du tout en mode urbain, mais nous on est des fous. Je bois du fuel, je craque l'allumette et je respawn dans le Viper. Allez, bim, c'est parti. Alors là, ta mise en hélico, ça peut. Non, mais non, mais non, mais non. Oh là 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 là. Je sais pas où est-ce que j'ai appuyé. Je crois que j'ai appuyé sur clic droit. Oh non. Oh, je vais me pendre. Oh c'est pire. Non mais là, là je vous jure les gars, enfin excusez-moi pour les filles qui regardent mais je crois que je vais arrêter la vidéo là, hein. Y a pas moyen, je peux pas continuer après un fail pareil. C'est pas possible. Là j'ai honte, hein. Sérieusement, hein. Oh là là, un décollage comme ça, mais ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Puis après bien sûr moi comme un con je saute du pont pour me finir, hein, c'est sûr. Oh là 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 là. Pff, moi je suis grave, hein. Je suis grave. Mais mettez des pouces rouges, hein, si vous avez envie parce que. Non je déconne, mettez des pouces verts bien sûr. Oh là là, attendez, ça va pas du tout. Je vais me ressaisir. Vous voyez, c'est comme cet effet de poussière derrière, ça c'est vachement bien fait. Mais casse-toi! Purée, t'as fait flamber mon truc. Toi tu pousseras rien du tout sur le coup. Oh! Oh non! Oh non! Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. Là j'enchaîne fail sur fail. Ça va pas du tout. Ah je me fais raise. Oh je me suis fait tuer. Oh ils sont 5-6, c'est le mec qui me raise. Il est fou lui. Bon bah au moins je suis ici. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va respawner à la base. Ou dans le Venom, tiens. Dans la base. Et je vais arriver tel un barbare en jeep. En quad pardon. Non 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 non. Ouais tu montes connard. Bon bah allez hein, salut hein. Oh, le mec il regarde autour de lui pendant 5 ans. Ah et là ça sent le roadkill hein. Oh la vitesse où je vais là. Là je crois que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Je vais me prendre un arbre je sens. Non char. Écarte toi là s'il te plaît. La 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 la. Il y a plein de souches d'arbres en fait qui dépassent. C'est ça qui est trop meurtrier quoi. Moi je suis un fou je passe par là. On commence à se rendre très vite du point F au point A. Ou l'inverse. En prenant un quad et en fonçant tout droit. Tout droit dans les arbres quand même, faut éviter. Moi je vois rien. On va plutôt piloter comme ça finalement parce qu'en fait on voit rien en vidéo en caméra. Hop là, petit saut. Allez, le contre-braquage. Ça, je mets la BS moi là-dessus. Hein. Toujours le petit raccourci qui va bien, qui passe bien. Pour arriver juste derrière les ennemis. Ah ah, ça t'a fait sauter, hein. T'as flippé ta mère, hein. Ah ah ah. Tu vois une grenade t'arriver dans les fesses, hein. Là, tout de suite on se chie dessus, hein. Allez, moi je monte, moi je suis un fou. Moi je suis un gueudin. Coucou. Et voilà, on a fait le ménage. Vous voyez, c'est pas très dur, hein. Voilà, vous voyez, quand on commence à s'emporter un petit peu avec le recul, vous mettez tout de suite le... Ah là là, j'ai voulu trop tirer au jugé. Ouais, ouais, ça allait pas du tout. Donc je disais, quand la rafale commence à s'emporter, arrêtez de tirer, vous remettez deux ou trois petites balles. Alors,
Ouh là là là, toi, t'es bien placé, mon pote. Voilà, toi, t'es mort. Allez, on prend le point D. C'est safe, y'a personne. Oh la tante, qu'est-ce que je suis allé où? Non! Ma tante! Oh! Parce qu'il est arrivé sur le quad là, mais. Je me sens pas du tout en sécurité, je sens que je peux me faire sniper depuis la montagne. C'est trop pas safe. Enfin, sniper, c'est que. Ce n'est qu'un moindre mal. Tant que je me prends pas. Des coups de. J'ai 36 dans la gueule. Bon, bah c'est une bonne partie quand même, moi je trouve déjà. Alors. Alors lui il rampe tel un guerrier. En fait, on allait plutôt sur le point C. Il y a du Vigrolls. Je vais recharger mon spawn. J'entends un micro-drone, donc c'est dire que je vais être spoté. Lui, je l'ai pas vu en fait. J'ai tiré un peu au hasard, mais. Purée, je t'ai pas tiré quoi. Allez, toi, je t'ai braillé. Mon spot, hein, vous voyez, j'en ai eu un là derrière. Une petite grue qui passe bien. Eh ben finalement non, hein. Je crois qu'il n'y a plus personne. Ah là-haut. Derrière là-bas. Est-ce qu'il est mort ou pas? Ouais, il est là. Oula, il y a un mec qui a sauté en avion de chasse là, donc ça peut me retomber dessus. Allez, moi je prends le quad et je me barre de là parce que ça pue. On va essayer de pas trop se fail. Bien char. Oh, je vais le poursuivre. Bon, et ben on va peut-être récupérer un peu le char là. Le quad, on va foncer sur le point A vu que c'est en train de le prendre. En passant par le petit raccourci qui passe bien le lac gelé. Oh là là, c'est magnifique, sérieusement. La cabane de pêche. On va le garer par là. Et visiblement, ils le prennent encore le point et les chars ils passent devant. J'ai pas compris là. Et bah oui, mais bah oui, les mecs, pourquoi vous passez devant un char là et. Bien joué, que t'es. Oh, j'ai cru qu'il tirait pas sur moi le mec. Ouais, ben bien joué, franchement bien joué. Il s'est fait kill après, mais. Il nous a full tous les deux. Alors. Et ben sur le point F, il y a un quad, donc je vais me rendre après au point E. Oh non, j'ai raté, s'il est calé cette merde. Non mais non, tire-moi pas dessus, j'avais l'hélico devant moi. Ah, je suis trop deg là quoi. J'aurais trop pu tirer. Oh, ça spawn tous les camions, les quads, les jeeps, les sprouts, les hélicos. Ça c'est un point pue la merde, on va appeler ça. Alors c'est parti, on va sur le point B. Ah là là, il y a un quad, c'est parfait. Oh, un vélo. Moi je vais aller sur le C, hein, vous savez quoi. Tant qu'à faire. Mais tu bouges pas toi ou le mec il bronche pas, il attend de se faire tuer je crois. Vous voyez comme quoi le camouflage là c'était vraiment subtil pour le voir. Ah ouais franchement là, sans spot ni rien.
Dans cette map, je vous conseille pas forcément un camouflage blanc. Non, un petit camouflage un peu gris. Je fais demi-tour pour repartir direct après. Et puis on va peut-être se quitter là-dessus, hein. Ça fait un bon moment que on est arrivé dans le Mystery du C4. En fait, tu voulais peut-être monter avec moi, le mec. Je sais pas. Bon, allez, prochaine fois que je meurs, on va se quitter là-dessus. Donc, ma foi, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, la dernière vidéo sera sur Armor and Shield, bouclier blindé. Et donc, vous pouvez toujours me suivre, vous abonner à ma chaîne ou laisser un petit pouce vert ou, si ça vous a plu. Et donc, on va tout de suite aller sur le point E. Oh les, vous avez vu ça? Mon mec, je sais pas comment il a fait pour pas tomber du quad. C'est un fou, mon mec. Ah, ça a pas marché. Et voilà, la Tunguska! Et bien voilà, Tunguska sera le nom de le mot de la fin. Et donc je vous dis ciao, à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye!